Bon, j'aurais bienvenu un peu plus de Tarkov. Donc, j'avais déjà enregistré en fait un raid qui s'est mal passé et je cherchais en fait Reshala. Ce qui se passe en ce moment avec l'événement des zombies, donc techniquement en fait les boss sont alliés, les scavs sont alliés. Grosso modo, tout le monde est allié pour combattre l'infestation de zombies, évidemment. Donc ça, c'est vachement bien. Honnêtement, comme événement, ça fait vraiment, on a vraiment l'impression de faire partie d'un tout. Donc, on laisse nos querelles de côté pour le moment et les boss sont alliés, les scavs sont alliés, tout ça et on peut jouer techniquement tous ensemble. C'est super fun. Du coup, ce qui est intéressant, c'est que pour le moment, sur Tarkov, je vous montrerai la map en même temps, sur Tarkov, en fait, il y a une seule zone où ils ont réussi en fait à repousser l'infestation de zombies, et c'est Custom. Donc c'est Reshala et ses gardes, c'est assez drôle. Et du coup, ils ont mis Reshala à 100%. Donc, très très intéressant, c'est que si vous avez des fois des quêtes où il faut tuer par exemple Reshala, ou alors les gardes sans tuer Reshala, parce qu'il y a une quête avec Fence par exemple pour ça, où il faut tuer les gardes sans tuer les boss, ou alors moi par exemple j'ai une quête, bon je l'ai aussi cette quête, mais j'ai une quête par exemple de Lightkeeper où il faut tuer 15 fois chaque boss, et ben du coup vous avez Reshala à 100% sur Custom, et en plus il est friendly, il est ami, c'est un ami, vous pouvez rester avec lui et parler si vous voulez, discuter avec lui. Ah, donc vraiment top en fait. Pour le farmer, du coup, vous pouvez farmer custom à fond. Vous pouvez farmer genre la marquer par exemple sur custom. Vous pouvez techniquement farmer les gardes, les quatre gardes en fait restent ensemble. Donc vous pouvez les tuer, vous préparer en fait, bien vous préparer parce qu'ils sont amis tous. Je vous montrerai bien sûr en vidéo et tout. Hein, donc j'ai testé et tout ça. Donc vous pouvez plus ou moins les farmer aussi facilement. Vous pouvez farmer énormément de choses en fait sur custom. C'est super fun, c'est super super fun. Donc profitez-en surtout pour les quêtes. Franchement, n'hésitez pas, foncez pour les quêtes, essayez de faire les quêtes genre comme Lightkeeper, genre tuer 15 fois un boss qui ont des pourcentages genre 10% de spawn, c'est une catastrophe. Donc là vous avez 100% custom avec Reshala Ami, donc c'est vraiment top. Et aussi petit, je le redirai dans la vidéo parce qu'après je vais vous laisser avec un morceau de vidéo, donc là je vous fais vraiment le résumé pour aller vite et comme ça vous savez ce qui se passe. L'agressivité en fait des scavs boss et tout ça, ça reset en fait, ça se remet à zéro à chaque fois que vous relancez un raid. Donc il y a Donc voilà, si vous tuez Reshala dans le premier raid, vous allez au deuxième raid, les scavs seront encore une fois amis. Donc il n'y a pas de problème. Donc ça, vous pouvez complètement exploiter en fait le système. Mais bon, c'est pas vraiment de l'exploitation vu qu'il y a un événement en fait qui se passe en ce moment. Donc l'événement il est comme ça, il est comme ça. Après, libre à vous en fait de l'utiliser dans n'importe quel sens. Et moi je l'utilise surtout pour faire mes 15 keys de Reshala là, en ce moment. C'est surtout ça que je veux. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous plaira. Regardez la vidéo pour être sûr en fait de ce que je dis si vous voulez. Donc ouais. Et aussi je vais vous mettre un morceau où Reshala me tue. J'ai jamais été tué par Reshala. Voilà, c'est la première fois. Je croyais en fait que les scavs en fait étaient ennemis tous en fait. C'est le premier raid que j'ai balancé. Et du coup je jouais normalement et Reshala m'a tué. Je sais pas quoi dire. En tout cas, merci infiniment d'avoir regardé. Pensez à aimer la vidéo, ça aide énormément. Et amusez-vous bien avec Custom qui est libre d'accès. Vraiment fun. Ciao ciao. C'est magnifique. Je vais remettre le micro. C'est magnifique, on a Reshala Ami en fait. Du coup, il se cache où lui? Bonjour. Ouais. Il est où votre boss? Où est votre boss, s'il vous plaît? Oh mon dieu. Doucement, hein, les mouvements, doucement. Il me faudrait votre boss. Reshala, faut qu'on discute. J'ai trouvé tes gardes. 4 ici. Il y a du Altin en plus. Il y a du Altin. 4 ici. Je crois qu'on a le compte. Reshala. Alors, c'est pas ma faute à moi. Ça rappelle une musique. C'est la faute de Lightkeeper. C'est 100% la faute de Lightkeeper, Reshala. C'est pas ma faute. Il y a la voiture. Ah merde. Ah, je me demande si les PMC sont pas aussi alliés.
pas certain. Le SCAV était à côté. Donc, est-ce qu'ils ont modifié ça et fait en sorte que les PMC soient alliés aussi? Genre, vraiment, absolument tout. Absolument tout le monde. Tout le monde contre les zombies. Même les PMC ennemis. Oh mon dieu. Non! Yes! Salut! Ça va, Réchala? Ça va? T'as vu, je t'ai sauvé des PMC, Réchala. T'as vu ça? T'as vu ou pas? T'as vu comment je suis très gentil? Alors, ce qui est marrant, c'est que du coup, t'es loin de tes gardes. T'es loin de tes gardes. Intéressant. Réchala! Attends, c'est un PMC ça ou pas? C'est un PMC ça. T'as vu Réchala? Ton pote, meilleur pote. Meilleur pote, t'as vu ça ou pas? T'es où? Je l'ai perdu. Il fait que bouger. C'est une anguille, le mec. C'est une anguille. Faut que je fasse. Je voulais activer la voiture. Merde, mon chargeur. Je voulais activer la voiture. Yes. Ok. Je vais devoir courir, ça va être trop chaud la voiture. À quoi que. Je vais voir si on l'active. Je le tue à 20 secondes, je cours. Parce que tout le monde va venir en fait. Je crois. Eh bien là. Ok. Après on peut le farmer, techniquement on peut le farmer gentiment, genre on le tue, après on tue ses gardes et tout ça. Je vous conseillerais de prendre, bah, si vous êtes en PvE, parce qu'en PvP ça va être chaud avec les autres, mais je dirais le lance-grenade à cartouche. Ça peut être vraiment pas mal parce que techniquement vous allez one-tap tout le monde, même s'ils ont des armures 5, 6 et tout ça. Donc, vu qu'ils sont tout le temps ensemble, les gardes, vous les démontez en fait avec ça. Donc, ça peut être vachement intéressant. Ça peut être vachement intéressant. Mais ouais, après les autres, c'était. Alors, j'ai tiré avant, j'ai tiré en premier sur les PMC. Je sais pas s'ils sont par défaut agressifs ou pas.
Ah, mais ouais. Mais sinon, ouais, je dirais, si vous voulez farmer des boss pour leurs armures, par exemple, ce qui est intéressant aussi pour éviter de défoncer leurs armures. Ouais, le lance-grenade, si vous l'avez farmé pendant l'événement, je vais vous montrer ça. Les cartouches à bout portant, vous en tirez 2-3, vous allez tuer au moins 4, 5, 6 cibles en même temps, en fait, ils sont groupés, donc il n'y a vraiment pas de problème. Donc ça peut être pas mal. Ou alors, lance-grenade, mais après, ça dépend où ils sont. Genre, s'ils sont à l'extérieur, oui, ça marche. S'ils sont à l'intérieur, non, ça marche pas. Donc ouais, mais ouais, genre ça, ces cartouches-là, là, elles sont top. Moi, des fois, je fais, quand je veux m'amuser avec certaines armes qui sont pas si bonnes pour les boss, genre sur Factory par exemple, je prends ça pour Tagila, une cartouche, ça tue. Voilà, une cartouche, ça tue. Voire deux à la limite si vous avez mal tiré, mais ouais. Mais du coup, on peut faire cette quête-là. Wouhou! On peut faire cette quête-là, voilà. Très facilement, du coup, très facilement. À chaque fois, ça reset l'agressivité en fait des scavs et tout ça et des boss. Donc très intéressant de pouvoir avoir Réchala à 100%. Vraiment, foncez, foncez, foncez. Avant de nous quitter, pensez à regarder la description si vous êtes intéressé pour devenir membre de la chaîne. Cela vous permettra d'avoir accès à toutes les vidéos en avance, des émotes et bien entendu un badge qui me permettra de facilement voir vos messages. Si vous êtes seulement intéressé par certaines playlists, il n'y a aucun engagement. Vous pouvez tout simplement prendre un mois pour regarder toutes les vidéos réservées et annuler la souscription directement. Bien entendu, tout cela est pour avoir un revenu avec la chaîne après autant d'heures passées dessus et continuer à pouvoir vous fournir des vidéos. Merci infiniment d'avoir pris le temps de m'écouter. Faites attention à vous et à la prochaine.